Mesdames et messieurs, bienvenue au théâtre. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos portables jusqu'à la fin de la représentation. Tiens, éteins. Nous vous rappelons qu'il est interdit de prendre des photos ou de réaliser des vidéos pendant le spectacle. Eh mais tu me fais honte, hein. Déjà que t'es venu en claquette, là. Chut, tout ça pour regarder les coups de gueule sur Facebook avec les magouilles des uns et des autres, là. En fait, t'aimes bien que le pays soit fin mal géré, tant que ça te fait rire. Merci de votre collaboration et bonne représentation. Moi, je dis, faudrait qu'il y ait un mec qui fasse un spectacle avec toutes nos conneries. Ma carte d'électeur pour le deuxième référendum. Il est où ce téléphone fictif? On dirait un collaborateur politique de Calédonie Ensemble. Allô, Jenny, ça va? T'es sûr de ton début? Ça ressemble quand même beaucoup à fin mal barré. L'arrivée avec la carte d'électeur, le coup de téléphone, là. Ça fait un peu feignasse en manque d'inspiration qui veut sucer toutes les subventions. Non, t'énerve pas. C'est une construction en miroir, mûrement réfléchie. À 2 ans d'écart, l'histoire n'est-elle pas condamnée à se répéter, comme ces deux pièces? Oui, c'est ça. Genre, je vous fais un truc d'un télo. Quoi? À force de rien dire, au pays du non-dit, il y a trop de choses à dire. Ben, c'est ça aussi. Le risque, c'est de parler pour rien dire. Dis donc, t'en as des choses à dire pour quelqu'un qui sait pas quoi dire. Non mais t'inquiète, ma sœur, on a l'habitude des mecs qui parlent pour rien dire. Ça peut pas être pire qu'un communiqué du Sénat coutumier. Ou de la direction de KNS. Ou de Valais. Ou de la SLN. Au fait, avec la crise, t'en es où du financement du projet? Ça va? Ça se passe bien? Il faut qu'on voit mon salaire. Allô? Jenny? Allô? Ça capte mal. Moi, je vous dis, elle a grave la pression. Déjà, je crois qu'elle a pas tout le pognon. Et puis, faire un numéro 2 après le succès du premier, ben, c'est pas comme un gosse. Si le deuxième bébé est raté, tu peux toujours dire que c'est la faute du père. Là, c'est tout pour sa gueule. Et puis, ma couze, elle va nous manquer. Quoi? Ça se voit pas qu'on est famille? Ben, on a commencé il y a 2 minutes et il y a déjà un 22 000 qui la ramène. Ben oui, je suis comme Michel, un Obama. Oui, je suis métisse. Du côté de mon père, je suis 100% kanak. Et du côté de ma mère, je suis kanak, caldoche, kabyle, javanais. Et je suis sorti plus blanc qu'un margouilla albinos. À la tribu, on m'appelle Sunshine. Comme le lait en poudre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Oui. Toi. Laurent. On n'y croit pas. Je pourrais pas être métisse. Vas-y, allume la salle, s'il te plaît. Allume. Bon. Bon, là, vous me voyez, là, c'est moi, Stéphane. Non, non, je joue pas, c'est pas la pièce, là. Alors, oui, je suis blanc, oui, et du sang kanak, eh ben, j'en ai. Ça se voit pas, hein? Mais il est là, mon sang kanak, en moi. J'ai une arrière-arrière-grand-mère de Tiwaka. Je connais juste son prénom, Poussama. J'ai même un arrière-arrière-grand-père indien, noir aussi, un tamoul.
Bon, alors oui, moi, Stéphane, je suis comme mon personnage, un blanc, en apparence, avec du sang mêlé. Mais moi, je m'en fous. Je suis juste un Calédonien qui aimerait qu'on arrête de se juger. Non, on y retourne. Alors, j'en étais où? Voilà, oui. Il est où ce téléphone fictif? Je peux vous faire une confidence? En fait, je voulais pas être là. Mais Michel, c'est ma cousine, du côté de ma mère à Lifou, donc c'est ma maman. Si ça avait été ma cousine du côté de mon père, c'était ma tantine. Là, je pouvais négocier. Mais là, pas moyen. Alors quand elle a dit « Hé, tu fais le spectacle ?» Ben... Puis en plus de mes 25 mamans, celle-là, c'est la plus têtue. Kouloïni. Pire que Bakès. Quoi? Tu comprends pas que mes cousines du côté de ma mère, c'est mes mamans? Il y a encore un oreille. Et on nous dit qu'il y en a 9900 qui sont repartis. Pardon, j'ai pas le temps de t'expliquer. Ben, sinon, fais comme d'hab. Fais semblant de tout avoir mieux compris que nous. Oui, non, j'avais pas vraiment envie de le faire, ce spectacle. Moi, la politique, franchement, c'est pas mon truc. Je sais même pas si je suis indépendantiste ou loyaliste. J'ai même pas voté au premier référendum. Non, c'était trop compliqué pour avoir la carte d'électeur. Pour être sur la liste électorale spéciale consultation, la LESC, il fallait être sur la liste électorale générale, la LEG. Mais t'étais pas forcément sur la LESP, la provinciale. Mais si t'étais sur la LESP, alors là, t'étais sur la LEG et la LESC. Mais quand t'étais sur la LEG, bah, t'étais pas forcément sur la LESP ou la LESC. Alors... Non mais moi j'ai préféré lâcher l'affaire, parce que c'est pas un bulletin qui allait finir dans une urne, mais moi avec une attaque cérébrale. Hein? À la fin c'était automatique, rien à faire. Hein? Oui, cette année ça a encore changé pour les jeunes majeurs, et c'est pour les droits coutumiers c'est l'inscription automatique, mais pas pour les autres. Pff, non mais le problème c'est l'État. Mais à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, ces référendums c'est plus des élections, c'est des usines à gaz. D'ailleurs, pour remplacer la centrale électrique de la SLN, on aurait dû demander conseil aux mecs du Haut-Saria. Eux, c'est des champions en usine à gaz. Ça aurait évité à notre député Gomez de s'en mêler et de finir avec une mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Ah où? Bon. Bref. Là, ça se rapproche. Et moi, je sais vraiment pas quoi voter. Et j'ai une idée. Vous allez me donner la main un coup, hein? Pour me décider. D'ici la fin du spectacle, j'aurai choisi France ou Kanaki, ok? Attention, hein? On va bien réfléchir. Hein? Oui, oui, nous aussi on peut, c'est pas qu'un truc de oreilles. Faut juste être dans de bonnes conditions. Okay. Au cava. Manouya. Hey, Nadej, Dédé, j'ai apporté le programme du FLNKS en cas d'indépendance. Voilà bel projet pour Kanaki. Arrête de lire ça, tu vas te péter les yeux. Non, sérieux. Vous savez qu'on dépense 500 milliards par an pour financer tous les trucs publics, l'école, l'hôpital, tous les fonctionnaires. Ben, heureusement que la France, elle sort le carnet de chèques. Hey, l'État nous verse 150 milliards par an
Et les 350 milliards restants, c'est nous qui les finançons grâce à nos impôts et aux cotisations sociales. Et ça, oui, c'est la bandane. Ah ouais, mais si on est indépendant, les entreprises, elles vont se barrer. Alors les impôts et les milliards de la France, ben, tata bisous. Qu'est-ce que c'est, ma Nadège? T'es voyante? Non? Mais t'as vu dans leur programme, la page sur le financement de l'indépendance? On dirait l'eau du lagon après un cyclone. C'est tout flou! Bon. Voyons. Alors, ils veulent garantir le maintien de notre niveau de vie en développant au maximum l'économie pour générer plus d'impôts. Hey. Développer l'économie. Intelligent. Ils veulent réduire les dépenses publiques en éliminant les doublons. Hey, quels doublons? Pas les provinces, hein? Il y a la moitié de mes cousins qui travaillent à la province. Et moi aussi. Non, 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 ils gardent les trois provinces, le gouvernement et une assemblée nationale. Économie, bel engin. Commence pas, Nadège. Quoi, mon dédé? Ça fait 40 ans que le combat indépendantiste est lancé. Et leur programme pour financer Kanaki, c'est développer l'économie et réduire les dépenses. Ça de whiz. Pour les mesures concrètes, ben, laisse ta l'air. C'est Nadège, mais parle bien, parle bien. Terre de parole, terre de blabla. Chut. Oh, fais petit ta bouche. Et pour la monnaie? Alors, ils hésitent à créer une nouvelle devise. Ils disent qu'il convient de ne pas se précipiter et de prendre le temps nécessaire à la refondation de notre régime monétaire. Prendre le temps, c'est carrément une doctrine. Après le keynésianisme, le marxisme, il y a le lestalerisme. Arrête de baver. Hein? C'est mieux avec la France. T'as vu les inégalités? T'arriverais, toi, à vivre avec un SMG à 135 000 francs par mois? Si on est indépendant, là, on pourra enfin réformer cette économie de comptoir. Mais tu rêves, toi, hein? Indépendance égale moins d'argent, t'as vu le... Quoi? Quoi? Le Vanuatu? Non, non, mais... Non, 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 mais quoi? On dirait qu'il y a que le Vanuatu qui est devenu indépendant sur Terre. Oh, oh, oh! Il y a d'autres petits pays qui ont enfin bien géré leur indépendance, hein? L'île Maurice, l'Islande, même mieux, Singapour. Eux, ils sont même devenus riches depuis qu'ils sont indépendants. Oui, mais eux, c'est un peu une dictature, ça stique leur mec à coups de bambou, j'ai vu à la télé. Ben, comment la tribu? Hey, mais si ils sont riches, c'est peut-être bon le modèle là, eux. Oui, mais eux, ils ont fait venir plein de cerveaux du monde entier. Quoi ça? Ouverture des frontières? Eh non, non, nous, c'est en plan local. C'est ça aussi. Tata Singapour. Bon, en gros, on a le choix entre une Kanaki avec un budget inconnu au bataillon ou rester avec la France et son économie de comptoir. C'est la dengue ou le chikungunya, quoi. Et si on optait pour le Zika? Bon, pour faire un choix, c'est pas gagné. Radio Bananier. Radio Bananier, la radio de ceux qui aiment se faire bananer. Et c'est l'heure de retrouver Jenny Capterien pour Fin dur à gérer, notre émission économique sponsorisée par... Les supermarchés Margeco, Margeconomise pas trop. Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous dévoilons l'enquête exclusive menée par Pételo, faut pas coûter trop. Pételo, selon vous, aucun doute, depuis des années, on est fin mal géré. C'est ça aussi, on est dans le lose.
Déficit d'urium, 33 milliards. Les recettes fiscales sont ensuite libres. Moins 9 milliards pour le seul impôt sur les revenus. Et en plus maintenant, on a un emprunt sur le dos de 28 milliards pour gérer la crise du coronavirus. Mais alors, quelles conséquences concrètes pour les Calédoniens, Pételo ? Moins d'impôts, plus de dettes, c'est moins de dépenses publiques. Les subventions vont pécher, Marie-Joseph Pételo. Un conseil à nos artistes. Surtout, ne lancez aucun spectacle cette année. Comment ça, aucun ? Mais non, mais ça, je l'ai pas écrit. Évidemment qu'on peut faire un spectacle. Tais-toi ! Si l'équipe t'entend, on fait comment après ? Bon, pub ! Pub ! Spleen Pest Control. Des problèmes de chèques en bois ou de déficits rampants ? Pensez Spleen Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Spleen Pest Control... Allô, c'est... Jenny ? Non, pas très bien, non. T'es en train de me bananer, là ? Comment on va faire sans subvention ? Hein ? Une cagnotte avec des litchis sur Internet ? On est au mois de juin, il n'y a pas de laiti. Quoi ? Tu veux demander de l'argent aux grandes familles ? T'as perdu la boule ou quoi ? À ton avis, pourquoi ils sont riches ? Hein ? Parce que pendant des années, il n'y a pas eu de contrôle fiscaux à cause d'un problème de procédure. Elle a bon dos, la procédure. Mais non, c'est parce qu'ils gardent leur argent pour eux, tiens. Tu crois qu'ils vont faire coutume avec nous ? Elle est emboucanée. Attends. Tu veux faire un spectacle qui parle d'économie de comptoir, d'injustice, et tu crois qu'ils vont nous aider ? C'est quoi ton plan ? Bah ouais, on va parler de monopole, demander de l'argent à l'OPT, l'Office des prix timbrés, et des billets d'avion à Air Chagrin. Eux, ils s'affrontent de la hauteur, comme leur prix. C'est toi qui vas finir en orbite. Ce spectacle, il est comme le pays. Fin mal géré. C'est sûr que niveau gestion et finance, on est carrément en train d'entrer en décroissance. Et mais nous, on pourrait devenir un vrai modèle pour la planète. Un modèle de décroissance, t'es trop forte, ma fleur de papaye. La décroissance, là, c'est sûr, on va fin bien gérer, même si on l'a pas voulu. Bah, tu sais, plein de belles et grandes choses hein, se sont faites par hasard. Notre rencontre, mon tarot d'amour. Le champagne, pas Dom Pérignon. Et aussi, je sais pas si j'ai le droit de te dire. Vas-y, on est seul. Le Nutella, découvert par hasard. Non, stop. Interdiction de parler de ce produit satanique. Hein? On va pas faire de la pub aux produits qui concurrencent notre usine calédonienne. Bistro Choc. Oui, bien sûr, Ginny. Noisetti, c'est Calolo. Noisetti, c'est Calolo. Noisetti. Bistro Choc, c'est un mécène. Non, ils ont jamais répondu à nos demandes, mais Jenny espère recevoir du chocolat gratos après. Bon. Reprenons sur la décroissance. Oui, nous, on peut très bien être décroissants sans les vouloir. À moins que... Ils ne nous ont rien dit, nos élus. Mais en fait, le ralentissement de l'économie, le manque de vision à long terme, c'est voulu. Une stratégie pour que nous, la Calédonie, nous sauvions le monde. Dirisanta et Rokwamito iront ensemble à l'ONU montrer la voie. La lecture du discours est partagée par Tirisanta et Rokwamitan, qui commencent par se céder poliment et respectueusement la parole. Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, c'est un grand honneur pour nous d'être ici, et c'est en nous faisant tout petit que nous vous présentons, avec humilité, le modèle qui nous sauvera tous. Notre avenir s'appelle... Pélep. Quoi ? C'est pas plausible. Pélep peut pas être en décroissance parce qu'elle a jamais été en croissance. À la limite, elle est en faillite. Non,
Si on vivait tous comme eux là-haut, la planète serait sauvée. Pour Benup. Hip hip hip. Hip hip hip. Hip hip hip. Malote Maori. Enfin, ça vous fait pas flipper ces histoires de changement climatique, tout ça? La dernière fois que j'ai ouvert mes fenêtres et que je me suis retrouvé dans les fumées venues des incendies d'Australie, bah là, France Kanaki, pssst, disparu le problème. C'est fou comme tout devient superflu quand tu sais plus comment faire pour respirer. Surtout, j'avais une urgence. Je devais aller au salon du 4x4. Changer mon pick-up. Il était arrivé au terme de la défisque. Hein? Mon bilan carbone? Oui, mais plus de pollution, plus de chaleur, plus de filles en bikini. Et puis au moins, avec la montée des eaux, j'aurai enfin une piole les pieds dans l'eau. Parce que sinon, je gagne pas assez pour m'en offrir une. Mais je fais le tri. Pas comme la mairie de Nouméa. Alerte subvention. Alerte subvention. Allô? La mairie de Nouméa, qui nous aide généreusement sur ce spectacle, est exemplaire sur le développement durable. Le tri sélectif a toujours été parfaitement réalisé. Sauf pendant 6 mois. Mais c'était pas leur faute. Subvention validée. Ouais, ça me stresse carrément, cette crise économique et écologique. Il me faut un petit shell, là. Manouya. Boula. Tchin tchin. Moi, je suis fatiguée de la politique. Ce pays tourne par an. Et nous, on n'arrête pas de tourner en rang. Ah, t'exagères. Il y a eu du changement quand même. Rappelle-toi les dernières élections. Radio Bananier, la radio de ceux qui adorent se faire bananer. Le point sur les provinciales avec Génie Capterien. L'avenir en confiance devient le premier parti du territoire. Sa patronne Sonia Bakès devrait prendre la tête de la province sud. Viens, il y en a pour elle, j'étais au collège avec Sonia. Percée de l'éveil océanien avec Mila Kulotukumuni. Aussi, mais Mila, j'étais dans la même paroisse que lui. Une scission semble se dessiner à Calédonie Ensemble. Nicolas Metzdorf et Nina Julier devraient même monter un nouveau parti. Mon con de Metzdorf, je barrais camper avec lui. Et peut-être si on les appelle, on va avoir un poste. Mais non, toi, ils ont tous dit qu'ils feraient de la politique autrement. Sinon, tu crois qu'on va avoir des subventions? Mais non, toi, il n'y a plus d'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Du cinéma. Comme les autres. Ah ça, pas besoin de lâcher 70 millions de subventions dans la série OPJ Pacifique, on a mieux nous. Amour, gloire et lâcheté. Des mots qui font le congrès. Depuis l'éternité. Rappel des épisodes précédents. Depuis 35 ans, l'élite du pays siège au Congrès. Des esprits brillants réunis autour du vénérable président Wamiton. Montrez que vous êtes devenus des orateurs là, au lieu de vous astiquer comme dans la cour de récré. Des hommes et des femmes qui débattent avec passion pour gérer au mieux notre pays. Des élus qui n'hésitent pas à poser toutes les questions qui fâchent sur les dossiers économiques les plus épineux. Aïe, Le secrétaire général, il dit qu'ils font le... Comment on appelle là? Le mazout. Le kérosène. Pour diminuer les charges ou bien les ATR, Airbus A330 sont mécaniquement très efficaces. Bouffe moins d'essence, kérosène. Des esprits libres animés par un but commun
éviter le gaspillage de l'argent public. Il travaille avec abnégation sans même prendre le temps de boire un verre d'eau. Là. Oui, on imagine que quand l'avion il atterrit à tant ou tard, est-ce que vous seriez en mesure, avec ce type de remplissage de mazout, kérosène, pouvez aller jusqu'en Australie ou à Fidji pour atterrir? Alors que les finances du pays s'assèchent plus vite que les gosiers, les débats avaient au combat de coq, ou presque. Hé, arrêtez de cacter comme les poules, je mets de l'ordre dans la basse-cour. La tension est à son comble. La vie de coq en pâte est finie depuis belle lurette. L'argent manque, reste plus qu'à se voler. Non les plumes. Il y a une baisse historique de l'activité économique générale sur ces 5 dernières années. Oui, enfin, je voudrais rappeler à notre conseiller Blaise que nous avons hérité en 2014 d'une situation économique catastrophique avec un budget déficitaire de 4 milliards et des régimes sociaux en cessation de paiement imminent. Alors. Quand même. Mais même en changeant les comédiens, l'intrigue de cette série, elle progresse pas beaucoup. Peut-être que le Congrès devrait changer de scénariste. Mais tout ça, ça m'aide pas, moi. Je sais toujours pas quoi voter. Bon, vous deviez m'aider. Aidez-moi. 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 Docteur? Comment allez-vous? Ben, il est bon. Qu'est-ce qui vous amène? Ben, Tanéo. Faut que je m'allonge comme dans les films. Ah où j'ai peur de claquer une sieste, moyen de mettre une natte par terre. Pourquoi êtes-vous là? C'est le référendum. Je sais pas quoi voter. Je peux plus dormir. Même nouvelle connerie première, ça m'endort plus. Ah oui, c'est grave. Quand je vous dis référendum, quelle image vous vient instinctivement? La cour de récréation. J'avais 7 ans. Les accords de Matignon venaient d'être signés. Avec les copains de Bourail, on entendait pour la première fois le mot référendum. On sentait bien que c'était un mot compliqué, pour les grands. À la télé, à RFO, les hommes politiques, ils avaient plus que ce mot-là à la bouche. Référendum. Ma mère, elle m'a juste expliqué après le journal. Référendum, ça veut dire qu'un jour, on votera pour ou contre l'indépendance. Oui, mais quand? Dans longtemps. Toi aussi, tu voteras. Tu seras grand, mon fils. Il faudra dire oui ou non à l'indépendance. Oui ou non à la France. Il faudra faire un choix. Un choix? Et toi, tu penses quoi? Moi, je suis pour la France. Et papa? Dans la famille de papa, on préfère l'indépendance. Et moi? Toi, tu choisiras ce que tu veux. Mais, tout est dans ce mais. Pendant 30 ans, mon père et ma mère ont tenté de me rallier à leur cause. Gentiment. Mais choisir un camp, c'était trahir l'autre moitié de la famille. Alors, très vite, je choisissais plus rien. Chez le chinois, je suis resté des heures à tergiverser entre un pique-nique et un crunchy. Du coup, je repartais avec un paquet d'omailles. Ma troisième voie à moi. Aujourd'hui, je dois choisir, mais... J'ai jamais pu... Comme beaucoup de métis, vous êtes dans une forme d'exploration permanente entre vos deux identités culturelles, mais aussi politiques.
Le vote réactive vos angoisses d'enfant. Tout ça dans ma tête. Mon rêve, franchement, être un oreille privé du droit de vote. Ce serait reposant. Mais attention, un oreille fonctionnaire indexé. Fonctionnaire indexé. Vous voyez, vous souffrez d'une névrose de l'identité, mais vous êtes loin d'être fou. Hey, c'est confidentiel. L'engin, si les cousses de Bogen ou de Lifou, ils savent que je vais être un oreille, je vais me faire nid guépé. Bon, en résumé, je suis un névrosé en pleine crise de la quarantaine. Quelle idée aussi de naître au début des événements. Tu parles, toi, d'un départ dans la vie. Il est vraiment grand temps que je prenne mon destin en main. Ah ouais. Je viens de larguer ma femme. Ah. Tinder. L'appli des rencontres. Le truc des jeunes pour se trouver une vieille. Alors. Mon pseudo. Pinus. Quoi, j'aime bien la nature. Ma photo de profil. Quoi, ça fait aventurier, et puis en plus, c'est de la caquette de marque. Hein. Ah, ça me dit toutes les filles célibataires qu'il y a dans le coin. Oh, tiare des îles. Alors, il est bon ou quoi? Ah, où j'ai toujours adoré faire la sieste sous les pinus. Oh, ça se regarde dans quel sens? Oh, faut que je zoome. Hop, papillonavirus. Non, non, j'ai plus de forfait. Oui? Oui, bonjour l'OPT, c'est pour une urgence, j'ai plus de 4G. Oui, vous avez utilisé tout votre forfait. Oui. Prenez celui de 60 gigaoctets, 20 heures d'appel à 12 900 francs. Pas moyen de négocier. En France, l'équivalent, c'est 1500 francs. On n'est pas en France, ici. Ben, ça, c'est 8 fois plus cher, ici. Ben oui. Eux, ils sont des millions. Donc, c'est moins cher grâce aux économies d'échelle. Oui, non, mais moi, j'ai pas d'économie, j'ai pas d'échelle. J'ai besoin de la 4G. C'est pour le pays. Avec Tinder, on peut trouver des vieilles pour faire des gosses. Sinon, qui va payer notre retraite? Oui, le régime retraite de la CAFAT, il est déjà déficitaire de 3 milliards. Ben oui, on est fin mal géré. Non mais c'est une question d'équilibre des comptes sociaux. Pour la retraite, faut des gosses. Pour faire un gosse, faut une vieille. Pour trouver une vieille, faut Tinder. Et pour Tinder, faut la 4G. Ils comprennent ça, vos directeurs, à l'OPT, l'office des prix timbrés? Sinon, allez en France, tout est moins cher là-bas. Et surtout, il y a plus de 5 millions de femmes célibataires là-bas. Non, t'as vu le prix des billets? Ben, va jouer au bingo. Ceci est une alerte disparition du ministère de la Culture. Un mécène a disparu. L'office des prix timbrés s'est volatilisé. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, contactez les autorités au numéro surtaxé. Votre mobilisation est essentielle. La survie du spectacle en dépend. Bon, si l'OPT nous lâche, on n'a que la moitié du budget. Donc, c'est fini.
Il y a quand même quelque chose qui ne va pas avec notre économie. C'est fin mal géré. On a des déficits dans tous les sens. Des tablettes de chocolat à 1400 francs. Des journalistes de NC Première mieux payés que des chirurgiens en France. Des patentés sans couverture sociale. Un patronat ultra-libéral, mais qui veut des protections de marché. N'importe quel économiste, il arrive ici, il fait une crise cardiaque. Oh, c'est un bazar. On dirait la rénovation de la FOL. Le mec qui arrive à créer un système économique plus juste ici, il a le prix Nobel. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue dans cette épreuve finale du prix Nobel d'économie. Je vous propose d'accueillir les meilleurs économistes du monde dans cette finale qui oppose Esther Duflo et Thomas Piketty. Cette épreuve est particulièrement complexe et exigeante. Votre défi, réformer le système économique calédonien. Vos juges, les habitants du pays, oui, vous. Je vous rappelle les données du problème. La Nouvelle-Calédonie, c'est 270 000 habitants, un territoire aussi inégalitaire qu'un pays émergent d'Amérique du Sud. La vie est en moyenne 30% plus chère qu'en métropole. Les smicards touchent 25% de moins qu'en France, mais les fonctionnaires reçoivent jusqu'à deux fois le salaire de leurs collègues métropolitains. Piketty, tu m'étonnes qu'ils veulent tous être fonctionnaires. Oui, mais bon, ce n'est pas tout. Une grande partie des travailleurs sont des patentés indépendants. Ils n'ont ni retraite, ni congé payé, ni complémentaire santé, et doivent payer eux-mêmes la CAFAT du flot. Mais t'es sûr que c'est un territoire français? Oui. Bon, allez, c'est parti. Bip. Et si on supprimait l'indexation? Ah! Alors, le public? Ouh, mais non, mais nous, comment on ferait avec moitié moins de salaire? Ben, comme les salariés du privé. Bon, c'est sûr, vous pourriez plus consommer autant. Des commerces pourraient fermer, mais les prix diminueraient à terme. Oh, oh, les têtes, on a apparemment beaucoup de fonctionnaires dans la salle ce soir, ils sont pas d'accord. Mais sinon, on fait l'inverse. On indexe le salaire minimum, on le double, comme pour les fonctionnaires, et paf, tout le monde au même niveau. Ah, alors, le jury? Non! Oh non, 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 non! Non! Oh mais non! Nous, les patrons, on ne pourra pas assumer une telle hausse de salaire! C'est la banqueroute directe! Il y a aussi des gars du MEDEF dans la salle. Bon, et pour les patentés, on en fait quoi? Bon, l'avantage avec eux, c'est qu'ils ne peuvent pas faire grève tout seuls contre eux-mêmes. Ben oui, ils avaient qu'à réfléchir et choisir d'être fonctionnaires comme tout le monde. Mais c'est un vrai panier de crabes, qui a inventé un truc pareil? Moi, j'abandonne. Je vais m'occuper d'un truc moins ambitieux, la réforme du capitalisme mondial après la crise du coronavirus. Manouille. Au prix Nobel d'économie. On les a convertis au lestalerisme. Et tu sais quoi? Il y a ma petite sœur qui va faire Miss Calédonie. Ça oui, c'est mieux que le prix Nobel. Si elle gagne, elle va peut-être devenir Miss France. À la tribu, on serait trop fiers. Eh mais si on devient indépendant en octobre, elle pourra pas faire Miss France en décembre. Hein? Eh non! Elle sera plus française! Aussi! Eh mais j'avais pas pensé à ça, mais... Eh mais ça veut dire que je vais devoir voter pour... Pour... Pour la France! Eh,
Et si je fais ça, les lutins, ils vont pas voir dans l'isoloir. Pas envie de me faire emboucaner après. Mais non, toi. Et puis, il va sans doute y avoir un troisième référendum. Tu pourras toujours revoter pour la Kanaki après. C'est ça qui est bon. Dédé, loyaliste. Hé, hey, tcha, dis pas fort, là. On va lever un pour fêter ça. Tu payes ton cava, mon cœur des îles. J'ai plus de sous. Je me suis fait astiquer par les cotes, par les impôts. Là-dessus, c'est bon si on arrête de copier la France. Mais, enfin, on en paie moins qu'en France, hein. Et puis, t'es fonctionnaire. T'es payé par les impôts, ma fleur de papaye. Ben alors, c'est pas une raison. Il y a peut-être d'autres moyens pour trouver de l'argent. Justement, j'ai entendu sur Radio Bananier tout à l'heure un spécialiste parisien. Il disait que si on devenait indépendant, on pourrait faire comme le Luxembourg. Ils sont malins, les mecs, là-bas. Et ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de droit de l'espace. Un droit de l'espace intersidéral? Alors ils l'ont créé. Comme ça, les entreprises de satellites ou de fusées, ça les incite à investir là-bas. Mais déjà qu'on a mis plus de 50 ans à réformer notre code des assurances, tu nous vois créer un droit pour les étoiles? Ben, pourquoi pas? Nous aussi, on peut. Faut qu'on réfléchisse à des secteurs innovants, sans droit. Les oreilles sans droit de vote? Tiens, non, les oreilles, c'est pas un secteur d'activité innovant. D'ici le troisième référendum, on va trouver. Oh, moi, je suis excitée à bloc. Oh, j'adore l'innovation. Oh, je crois que je vais devenir indépendantiste. Puis, si ça me permet de payer moins d'impôts. Sinon, ma fleur de papaye, moi, je vote pour la France et toi pour la Kanaki, mais on ne dit pas à nos familles. OK. Et puis, mathématiquement, on trahit personne. C'est beau, les convictions. Radio Bananier. Radio Bananier. La radio de ceux qui aiment se faire bananer. Le Flash avec Génie Capteurien, sponsorisé par... Supermarché Bingo. Avec vous, c'est Bingo. Pour nous. Les coutumiers des îles ne veulent plus de croisiéristes. Les loyalciens, inquiets face à l'expansion du coronavirus, ont décidé de refuser les bateaux depuis début février. Une décision diversement accueillie par les Calédoniens. Soane, faut pas choper ça, est allé à leur rencontre. Hé, hey, c'est n'importe quoi! Pas une grippe qui va me faire peur! De Chine en plus! La cougnotte, mais c'est réglé! Après, les mecs vont dire qu'il faut fermer les aéroports, n'importe quoi! Ils ont raison, les coutumiers à nous! Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont raison, les coutumiers à nous! Sans transition, justice, c'est un record. Le nombre de procédures impliquant des élus au tribunal a explosé. Nous n'avions pas vu ça depuis... Non, en fait, nous n'avions jamais vu ça. Le reportage de Aimé, fallait pas voter ça. Tout à fait, Jenny. Depuis 2 ans, 12 élus se sont retrouvés devant les juges pour différentes affaires. Prise illégale d'intérêt, favoritisme ou encore abus de biens sociaux. Je vous propose d'écouter les réactions des Calédoniens rencontrés ce matin au marché. Hé, c'est qui les 12? Montrez la liste. Mais il y a des mecs de tous les bords, ça c'est le destin commun. Ma fleur de papaye, sur les 12, il y a 10 loyalistes. Ah, oh, pardon, on n'est pas sur RRB, au moins la radio Rennes Libératin. Je vous rappelle que les procès les plus attendus cette année concernent les cadres des Calédonies Ensemble. La justice les soupçonne d'avoir créé en 2017 une trentaine d'emplois fictifs à la province sud et au congrès pour des chefs coutumiers wallisiens. Préjudice estimé pour la collectivité, 120 millions de francs. Merci, et mais fallait pas voter ça, mais rappelons que nos élus sont présumés innocents tant que les jugements définitifs ne sont pas rendus.
nos élus sont présumés innocents. 120 millions, avec ça, on aurait pu financer 30 spectacles comme femme algérie. Heureusement, il nous reste le bingo. Ça nous a bien aidés. Grâce à mes tantines. Elles ont fin bien géré, elles. Petit 5. Petit 5. Bingo. Voilà, plus 10 000 balles pour le neveu à nous. Seb, vas-y, claque-moi encore 20 bingos comme ça, puis il aura cette pièce pour acheter son billet pour jouer à Paris, pour qu'on les vole, ils vont reprendre. Collez deux. Collez deux. Collez deux. Et c'est bon s'ils arrêtent de faire coller zéro derrière les prix des billets, la compagnie à nous. Mais c'est ça aussi. T'as vu, c'est même coller double zéro. Accord de Nouméa. Accord de Nouméa. C'est quoi ça, hein? 98. Elle fait sa maline, là. C'est bon si elle arrête de faire sa oreille, là. Hein, on n'est pas qui veut gagner des millions, on veut juste 100 000. Petit 2. Petit 2. Non, hey, Kin, 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 Kin. Hey, voilà, plus 3 000 pour le Nevano. Ah. C'est les petits crics qui font le grand yacht. Mais heureusement qu'il y a le bingo, parce que si on attend que les prix des billets d'avion ils baissent, les racines elles vont pousser sous les claquettes et ressortir dans les airs comme les banyans. C'est ça aussi. Et t'as vu la bande à Baquès? Ils ont promis des billets à 50 000 pour aller à Sydney toute l'année, même sur Air Chagrin. La compagnie qui te fait pleurer quand t'achètes ton billet. Mais moi, j'ai voté pour eux, pour voir les koalas. Mais à Wapoutbal. Dose. Calibre. Le 12. Mon chiffre porte bonheur. J'ai dégommaté mon premier cerf avec ça. On disait quoi déjà? Ah oui, Baquès. Tu crois tout ce qu'on te raconte? Faut se méfier, surtout avec Sonia au Pays des Merveilles. L'avion, ça a un coût. Le kérosène, les taxes, les salaires. Et parmi chez nous, on est sûrement les derniers du monde à payer une commission sur les billets qui est reversée aux agences de voyage. Ah ouais? Mais pourquoi? Tu poses trop de questions. Arrête de faire ta oreille. Après, ça fait des histoires comme s'il y avait des magouilles. De toute façon, si ça continue à se propager, le corona machin, là, des agences de voyage, il n'y en aura plus. Ah ou c'est vrai, ça, ah ou. Mais en attendant, nous, t'as vu, quand on monte à temps tout tard, ben, c'est pas l'avion qu'on prend, c'est un coup de trick. Et c'est ça aussi. Mais nos avions, c'est le contraire de nos hommes le week-end. Ils sont pas assez pleins. Eh, mais c'est normal que c'est pas plein si c'est trop cher les billets. Voilà. Et si c'est pas assez cher, c'est pas assez rentable. T'as vu, c'est le tricoréier qui se mord la queue. Moi je dis, il faudrait une compagnie low cost ici comme à Tahiti, avec des billets à 100 000 pour Paris. Mais malheureuse. Mais si c'était rentable, elle serait déjà là. Mais t'as vu toutes les compagnies qui sont barrées. AOM, Corsair, Air Austral. Et puis à Tahiti, ils ont plus de touristes que nous. Eh, mais toi, t'es un agent infiltré de Air Chagrin. Ils t'ont filé des billets gratuits ou quoi?
Ah non, mais j'ai demandé, mais ah ouais, ils ont pas voulu. Non, mais faut être réaliste. Le problème, c'est le remplissage. Ben, faut remplir à bloc. Net. Mais comment faire? On n'est pas assez nombreux. Fermez la porte. Fermez la porte. 69. Bingo. Wanamacha. 69. Mais oui. Pour être plus nombreux, ben, faut faire des câlins. Câlins, bébé, avion rempli. Économie d'échelle. À moi l'école, là. Hey, mais toi, là, mamie mal élevée. Mais si, la plus besoin référendum consensus. Hey. Hey. T'as pété une durite, toi. T'as le cerveau qui est décalé à mini, hein? Tu veux pas non plus qu'on appelle notre compagnie Air Calin? Sabewiz! Écolo! On va tous envoyer en l'air avec Air Calin! Pendant ce temps-là, mes tontons au stand de brochettes. Tu passes une bière ou quoi? Tu fais quoi pendant les vacances? Si tout va bien, je démarre en Australie. J'ai trouvé une feinte pour avoir un billet gratuit. Comme je suis diabétique, j'ai calculé que si je bois 2 litres de Tulema Block par jour, pour Noël, je vais t'envoyer en Evazan à Sydney. Si tout va bien, billet gratos et peut-être même allongé, avec une infirmière personnelle pour s'occuper de moi. Valable. Ça marche aussi avec le Coca-Cola.
Radio Bananier. Radio Bananier. La radio de ceux qui aiment se faire bananer. Le journal avec Jenny Capterien. Une édition sponsorisée par la société Le Chaud. C'est chaud pour la cafate. Bonjour, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. Une maladie qui coûte près de 7 milliards par an à la CAFAT. Pour lutter contre ce fléau, le Congrès a voté la création d'une taxe sur les produits sucrés comme en métropole, au grand dam de la GBNC, la grosse bedaine de Nouvelle-Calédonie. Mais les élus n'ont pas statué sur les taux de taxation à appliquer. Résultat, la taxe n'est toujours pas effective, comme c'est ballot. Santé toujours. On en vient avec vous, Jackie Coman, à cette pandémie de coronavirus qui commence à s'étendre vers l'Europe. Oui, tout à fait, Jenny. L'épidémie a commencé en France métropolitaine. Et les personnes âgées, les diabétiques, les obèses sont les plus à risque. Heureusement, nous, on ne risque rien. On est tellement loin de l'Europe. Et notre population est très jeune et des diabétiques, on en a deux fois plus qu'en métropole. Yoshi! Pas de panique, Jackie, tout est sous contrôle. Le gouvernement français a même maintenu les élections municipales, c'est dire. Rappelons d'ailleurs que ici, cette fois-ci, tout le monde peut aller voter, les diabétiques, les coronavirusés qui savent pas qu'ils sont malades, et même les oreilles. Ceci est une alerte disparition du ministère de la Culture. Deux mécènes ont disparu. Air Chagrin et la société Le Chaud se sont retirés. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de les retrouver, contactez les autorités au numéro surtaxé qui bénéficiera à l'OPT. Air Chagrin nous lâche. Heureusement, nous, comme on a tout en triple, on pourra toujours demander de l'aide à Air Oceania, notre future nouvelle compagnie aérienne. Ils ont forcément de l'humour, eux. Faire de l'IFU un aéroport international. Si ça, c'est pas une blague. Ailleurs, on fait peut-être dans l'économie d'échelle, mais nous, on fait dans la connerie à grande échelle. Oh. On pourrait même faire un inventaire à la Prévert. Un seul pays, deux drapeaux, trois provinces, un congrès, 22 000 km de Paris, le référendum, une Madame Sonia, un Jacques et Daniel, un grand fossé entre eux, une lame de fond, une robe mission, une Porsche Cayenne avec des fiscalisations, des légions d'honneur, le référendum, un sculpteur qui sculpte à Canala, un pari sur l'intelligence de compagnie, bientôt trois. Un carnaval désert, un minerai, trois usines, un cours erratique et un timing un peu flottant. Des licenciements, une économie de comptoir, un système indigne de taux d'indexation, trois fois rien, un SMG, un peu de joie, trois ou quatre oncles du terrain, le référendum. Une histoire dolorosa, deux accords géniaux, trois listes de paires de claquettes, un paquet de 5-5, un corps gelé, un corps glissant, des directeurs de cabinet, de légitimité, un grand pardon, une coutume, un espoir, une pinte de bon sens, un pays pas remis, un cerf hurlant, un régime bananier, un moustique, une expédition, colonne, un dialogue sanitaire, une douzaine de communautés, un haut commissaire et un jour d'espoir, un bandage oculaire, un sacré grand soir, une utopie, un destin commun, un vieux questionnement, trois scénarios, une seule question, deux solutions, trois élections. Et naturellement, le référendum. Moi, je sais toujours pas quoi voter. Vous, vous savez ? Vous avez de l'entraînement ? Vous avez voté au premier référendum. Oui, non, sauf ceux qui n'ont pas eu le droit.
Non, ce soir, on ne parle pas du corps électoral, parce que sinon, on va finir comme les Israéliens et les Palestiniens, avec un mur entre nous. Déjà, depuis que Pierre Frogier a dit qu'à terme, il voulait que chaque province gère directement ses relations avec l'État, ça me fait carrément peur. Pour moi, c'est un peu la partition du pays, ça, non? Wenei aussi? Voilà nous, les États désunis de Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Radio Bananier. La radio de ceux qui aiment se faire bananer, et pas qu'à moitié. Il est 8h du matin, c'est l'heure de votre coup de gueule. On accueille Jean-Louis de Vaux. Oui, j'appelle au sujet de la partition. C'est pas bête. Moi, mes voisins sont indépendantistes depuis 30 ans. J'ai beau leur expliquer par A plus B pourquoi c'est mieux de rester français. Ils veulent pas changer d'avis, ils sont bornés. On dirait ma femme. Et vous, vous voulez pas changer d'avis? Hein? C'est moi qui ai raison. Et pour vous, la partition, c'est la solution? Mais oui, pourquoi vivre ensemble, là, quand on n'est pas d'accord? Ouais, déjà que je fais ça avec la vieille depuis 30 ans, c'est bon, là, je suis fatigué. Et sinon, Jean-Louis, vous pouvez divorcer avec votre femme et continuer à vivre avec vos voisins. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais... Ah, c'est vrai que je m'engueule plus souvent avec elle qu'avec eux. Ah ouais, je peux pas la quitter, elle fait trop bien le carré de crabe. Bon, on prend un autre appel, de Vaux aussi, décidément. C'est Marie-Rose, la voisine à Jean-Louis, qui vient de parler. Ah, où Jean-Louis? Je suis indépendantiste, mais je fais bien le carré de crabe aussi. Viens goûter dimanche. Puis s'il est meilleur que celui de ta vieille, tu peux divorcer. Comme ça, on continue à vivre ensemble. Ah, où? C'est important le destin commun. Nos vieux sont morts pour ça. Oui, merci Marie-Rose pour ce beau message de fraternité. Ah, un appel de Poya. Allô, c'est Eden. Aimé, et c'est bon s'il arrête la moquette, le sénateur, l'engin. Nous, à Poya, on est en province nord. Alors on va devenir quoi? République de Kanaky du Nord. Je veux rester française et sur mes terres. C'est facile la partition quand on habite à la baie des citrons. Puis comment qu'on fait avec les mecs de Saint-Louis par exemple? Un nid d'indépendantistes en plein milieu des loyalistes. Il a trop fumé la moquette de Matignon là. Non, Eden, restons polis avec le sénateur. Mais la question est intéressante. Que faire des habitants de Saint-Louis dans ce cas? On prend un appel de la tribu de Pangu à Ouégua. Oui, c'est Norbert. Norbert? Nous, la partition, le problème, Thaïs, c'est qu'il y a un paquet de caldoches au village qui veulent rester français. Ils sont têtus, comme la voisinage à Saint-Louis. Mais peut-être qu'il y a une solution. On fait coutume. Nous, on prend les frères à nous de Saint-Louis, puis en échange, on donne les caldoches à Ouégua. Ah, c'est pas bête, ça, Norbert. Ben oui, t'as un partage. Ben, on partage les mecs à nous. Ben, c'est ça aussi. On prend un autre appel, c'est Pételo de Païta. Eh, moi, c'était que si on fait division, ben c'est pas si on construit un mur. Un bon mur bien solide en béton, ça va donner du travail. D'un côté du mur, on met les ouvriers indépendantistes et de l'autre, les loyalistes. Comme ça, on travaille tous ensemble à se séparer. Malo, Pételo. C'est une jolie idée, ça, travailler tous ensemble, main dans la main, à se séparer. On prend un tout dernier appel, c'est Monsieur Toshiba du MEDEF. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Nous, au MEDEF, on fait pas de politique, mais le pognon, on maîtrise. Pour le mur, là, plutôt que de le construire en largeur sur les frontières actuelles des provinces, on pourrait le faire en longueur, sur toute la transversale. Comme ça, on claque un mur de 500 km. Triple avantage, petit 1. Pour les agglos, on prend la scourie de la SLN. C'est mieux que de boucher la rade. Oui. Petit 2, on fait défiscaliser le mur par l'État. Après tout, c'est de la faute de la colonisation, tout ça. Oui, oui. Donc, plus de pognon pour nous. Merci, monsieur Toshiba. Et enfin, merci. 3. On a du boulot pour au moins 5 ans assuré des deux côtés. Oui. Putain, les poches macaques, elles vont pleuvoir. Ouais. Il y en a là-dedans. Merci. Mmh. Ah, on me dit qu'il y a un appel de France. C'est Paul qui nous appelle. Vos où le pays? Je suis originaire de Lifou. J'ai écrit un slam sur la partition. Oléti, Paul. On se quitte sur ce beau slam alors. Et surtout, n'oubliez pas, Radio Bananier, la radio de ceux qui aiment se faire bananer, et pas qu'à... Dans ma partition, pas de division. Dans ma partition, tête noire, tête blanche se mêlent, s'entremêlent, indissociables, sœurs et frères siamois. Tête noire, tête blanche, note d'une mélodie en construction. Do, ré, mi, oléti, do, ré, mi, merci, do, ré, mi, malote, maoli. Tête noire, tête blanche, des notes différentes, enrichissantes, pour un maestro des accords majeurs. Et si une tête noire dénote, et si une tête blanche complote pour une meilleure note, dissonance, résonance, incohérence, recherche de sens. Dans ma partition, pas de division. Do, ré, mi, oléti. Do, ré, mi, merci. Do, ré, mi, maloté, maoli.
Et si une tête blanche dénote, et si une tête noire complote pour une meilleure note, discordance, désobéissance, inconsistance, engeance. Dans ma partition, pas de division. Noir, blanc, vert, jaune, rouge, bleu, blanc, rouge, noir, blanc. Note colorée d'une même partition pour notre ensemble. Dans ma partition, pas de division. Dans ma partition, des notes à l'image de mon pays. Des têtes noires, des têtes blanches. Qui composent pour trouver l'harmonie sur une partition sans division. La partition. Pierre Frogier, il est fiou, non? Ça doit être son côté taille-pouette pays. Il n'arrête pas de sortir des propositions contraires à la Constitution et à l'accord de Nouméa. T'es sénateur et tu maîtrises pas la Constitution et l'accord de Nouméa. C'est comme si t'étais chauffeur de bus Taneo et que tu connaissais pas le code de la route. Bon, sauf qu'un chauffeur est payé 5 fois moins qu'un sénateur. Non, ne faisons pas de démagogie. C'est normal qu'un sénateur soit mieux payé. Il a des responsabilités importantes. Mais le nôtre, malgré son salaire, il est très fiou. À la limite de l'emploi fictif. On pourrait presque le mettre en examen. Hein? Non, il travaille pas pour Calédonie Ensemble. Il faut suivre un peu. Non, il travaille pour nous tous. Enfin, il travaille pas. Beaucoup. Pour nous. Non, c'est pas de la diffamation, c'est un constat. C'est sûr que lui, il risquait pas de contracter le coronavirus au Sénat. Regardons ce petit tableau. Ce sont les jours de présence de nos élus au Sénat. Alors, on l'a arrêté fin mars à cause de la crise du coronavirus. Alors là, vous avez son score, et là, la moyenne des élus du même groupe que lui, les Républicains. Alors donc, semaine de présence, 17 contre 30 pour la moyenne. Il a assisté à 33 commissions contre 74 pour la moyenne. Bon, c'est pas terrible, mais c'est passable. Après, c'est un massacre, que des zéros. Zéro amendement signé ou adopté, zéro rapport écrit, zéro proposition écrite. Bon, voyons maintenant le score de son collègue adversaire, Gérard Poadja, de Calédonie Ensemble. Alors, il a été moins présent, 16 semaines. Mais il a plus bossé. 48 amendements signés, 22 interventions longues et même 6 interventions courtes de moins de 20 mots. Mais parce qu'au Sénat, on compte les mots. Oui, je sais. Nous, on est loin. C'est pas facile pour nos sénateurs. Non, mais le problème, c'est l'autre, là. Le sénateur de Mayotte, Tani Mohamed Souilihi, le Mohamed Ali du Sénat. Mec, il te fait 1400 interventions longues, 3050 courtes, 300 amendements signés. Face à lui, Frogier et Poadja, KO. Faut vous réveiller. En plus, vous êtes loyaliste. Si ça continue, les Français ils vont nous larguer parce que là, on sert à rien. Remarque, comme ça, j'aurais pas besoin de me tracasser pour savoir ce que je vais voter. Hein, France, Kanaki, blanc, noir, France, maman, Kanaki, papa, maman, papa, blanc, maman, noir, papa, maman. Docteur? J'en peux plus. J'y arrive pas. Choisir, c'est comme renoncer à une partie de moi. Le hasard des chromosomes m'a donné la peau blanche, mais mon histoire est à l'image de ce pays. Mêlée. Emmêlée, même. Dans ma tête, il y a trop. 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 Tout est trop. Cette peau est trop blanche pour mon histoire. Ces histoires de couleur de peau avant les événements, j'avais jamais entendu parler. Mon copain de Bogen, Nounous, il avait entendu que les Blancs les mettraient dans un bateau. Et là, j'ai regardé ma peau. Moi aussi, j'étais blanc. J'ai eu peur. Quand je suis rentré à la maison, j'ai demandé, « Papa, quand est-ce que je serai noir comme toi ?» Mon père a souri, un peu gêné. Mon fils, ta peau claire, c'est une chance. Moi, ma peau noire a été un handicap pour trouver du travail. Aujourd'hui, je sens bien la condescendance de certains, ceux qui se demandent si je ne suis pas le canac de service. Regarde tes cousins. Ils n'osent même pas aller dans les boîtes de nuit par peur de se faire refouler. On les pousse dans les voies techniques à l'école. Il y a toujours des préjugés.
Il avait raison. Mais moi, je m'en foutais des boîtes de nuit et des discriminations dans le boulot. J'aurais préféré qu'on me voie comme le canaque de service que comme l'enculé de blanc. Cette peau noire, je la voulais. Non, je la veux encore. C'est comme un bouclier magique. Personne ne dit à mon père ou à mes cousins, t'es pas chez toi. Moi, on me le dit, ça. Même dans le silence, tant de regards le disent. Et ça fait mal. Putain. Ça fait mal. Faut être cinglé, docteur, non, pour se dire qu'on préfère un racisme à un autre. Pensez qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire que je suis pas d'ici juste en voyant ma peau. Alors que ce pays, je souffre de trop l'aimer. Aucun vent sur la planète n'aura jamais le même effet sur moi que les alizés qui glissent sur mon visage. Ce souffle qui se met à bourdonner à mes oreilles comme s'il portait les messages des vieux, de tous les vieux qui ont construit le pays. Ce vent venu du lagon, mon lagon, où j'ai pêché mes premiers genêts à la ligne avec mon père, où j'ai ramassé des seaux hantés de grisettes. Oui, je suis d'ici. Je le sais. J'appartiens à ce pays. En regardant les montagnes, je le sais. En sentant la forêt, je le sais. En respirant l'air du pays, je le sais. Il n'y a rien à en dire. C'est en moi. Mais ça continue de me tourner le bide quand on me dit le contraire. Si c'est douloureux, docteur, ça veut dire que si on n'est pas canaque, on n'est pas vraiment d'ici. Parfois, je me dis, voter pour l'indépendance me rendrait-il plus légitime? Dois-je voter pour conforter mon identité? Dois-je voter pour réparer les propos outranciers de certains élus? Dois-je voter pour le bien de mon pays? Pour la sécurité? Pour le pouvoir d'achat? Pour des idéaux? Pour le combat des aînés? Oui, mais desquels? Dois-je voter en ne pensant qu'à moi ou en pensant aux enfants? Je suis perdu, il y a trop d'enjeux identitaires, personnels, historiques. On nous demande de faire un choix, mais se posant les bonnes questions. La France, la Kanaky, je sais de moins en moins. Et je suis épuisé par ce débat sans fin qui dure depuis 40 ans. Radio Bananier. Radio Bananier. Flash spécial coronavirus. Une édition sponsorisée par votre banque préférée. BCI, la banque qui caillasse à l'infini. On retrouve Eugénie Capterien. Bonjour, vous le savez, le territoire n'est plus épargné par le coronavirus. Nous en sommes à 18 cas. Le confinement est généralisé depuis 3 semaines. Le pays a fermé ses frontières. Plus de vols internationaux, ni même intérieurs. Au Medipôle, Soane, faut pas choper ça. On est à la pointe mondiale de l'innovation avec un nouveau type de test. Tout à fait, Jenny. Le Medipôle a inventé le test inversé qui pourrait bien intéresser l'OMS. C'est comme le bingo inversé, tu gagnes quand tu sors aucun numéro. Là, t'es malade quand t'es pas malade. Le travail de recherche a été mené en étroite collaboration avec les plus hautes autorités du pays qui ont fourni les premiers cobayes. Le Medipôle a fait la démonstration hier de l'efficacité de ces nouveaux tests qui ont permis de réaliser le rêve de Philippe Gomez. Mettre en quarantaine à la fois Thierry Santa, Sonia Barquès. Et même en bonus, Jacques Lallier. Mettre en quarantaine nos élus dans les hôtels avec tous les rapatriés. Faire reposer notre stratégie d'occupation d'hôtels sur une pandémie mondiale. C'est tellement visionnaire. On n'est pas si mal géré que ça. Non, moi, ça me dit toujours pas ce que je vais voter. Oh mon Dieu, mon Dieu. Le vote, c'est dans 3 petits mois. Bon, ben, plus qu'une seule solution. Tirer au sort. Ah, oh, ou pardon, t'as pas 100 balles, s'il te plaît? Non, t'as pas? Quelqu'un a 100 balles? Non, attends, ça va être long parce que sinon j'en ai une dans ma poche. Hein. Okay, ça va. Oui. Ouais.
Ouais. Non! Non! Ben non. Non, ben non. Un M, s'il te plaît. Le pire dans tout ça, c'est qu'on sait qu'il va falloir trouver une solution, une voie de sortie, après les référendums, tous ensemble. Mais ils veulent pas se parler. Ils sont plus tendus que des lignes à Tazar, nos élus. Ah mais oui, oui. Bienvenue à vous dans Koh-Lantana. Vous êtes 20 aventuriers intrépides. Des Indiana Jones de la politique. Des Kirikou pleins d'agilité pour manœuvrer. Des Tarzan et Jane du Congrès. Vous resterez coincés le temps qu'il faudra sur cette île de Walpole. Seul moyen d'en repartir, trouver une solution qui scelle le destin de vos deux grandes tribus, les Verts-Jaunes-Rouges, les Bleus-Blancs-Rouges. Pour survivre, vous avez ici des réserves d'eau. L'alcool, c'était hors budget à cause des taxes. Mais surtout, vous avez 5 kilos de riz par tribu. Paul Niaoutine. Hein? 5 kilos de riz par une tribu? Christopher Gigès. Ils sont où les mecs de Matignon Productions, là? Nous, on veut bien arrêter de boire, rester coincés ensemble sur une île, mais 5 kilos de riz, faut pas pousser mémé dans les sensitives. Jacques Lallier. Oh! Chut! 20 kilos de riz par personne, sinon on claque une grève. OK? Hey, Seb, la bande, c'est bon, j'ai réglé le problème. Philippe Gomez. Bon, écoutez, chers collègues, la production de visuels Koh-Lantana, c'est mon truc. Je vous rappelle la règle. On travaille chacun dans notre tribu, et puis après, on fait la réunification. Sonia Baquès. Ben voilà, c'est ce que je propose depuis toujours. On travaille chacun dans notre coin comme l'hyper-provincialisation. Daniel Goa. Et puis quoi? Ben après, on fait un mur comme à Berlin pour le casser et se réunifier, c'est ça? Roquamiton. Oh, arrêtez de cacter comme les poules. Harold Martin. Sinon, c'est quand l'épreuve d'immunité? Je suis venu juste pour ça. On peut avoir l'immunité? Oui, coach Yurgay. Et ça marche aussi pour les condamnations déjà prononcées, si on est en appel. Mila Kulotukumuli. Mais vous croyez au miracle? C'est pas l'immunité face aux tribunaux, pis ouais. La bande, sinon on peut s'arranger avec une petite loi de pays. Franchement, c'était mieux l'époque Lafleur. Mesdames, messieurs, le temps vous est compté. Vos tribus comptent sur vous et surtout n'oubliez pas, sans accord, pas de retour possible. Soit ils trouvent une solution, soit on est débarrassé d'eux à vie. C'est pas fin bien géré, ça. On est gagnant dans les deux cas. Manouya. Mboula. Tchin-tchin. Et appelle un coup le nouveau cerf pour dire qu'on a la solution. Il a l'air sympathique, Lolo, mais un peu dans les choukanaks avec la bande à nous. Au commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, bonjour. Bonjour. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. À Oukea, plus de carte liberté? De toute façon, avec l'OPT, le seul qui a la liberté inconditionnelle, c'est Harold. Nous, on est peut-être fin mal géré, mais lui, attention, il a des avocats qui gèrent. Bon, ben, Osaria, Lanien, Taltoul. Et j'ai entendu un truc sur France Inter tout à l'heure. France Inter? Toi? Je te rappelle qu'il est devenu loyaliste. Ah oui, et moi indépendantiste. Là, il disait comme ça.
que pour faire de grandes choses, il fallait penser contre nous-mêmes. Penser contre soi, c'est une formule de Charles Peggy. Ah oui, un bon Peggy américain, ça, yes! Ah, mais non, mais Charles Peggy, l'écrivain français, il disait que il fallait se mettre à la place des autres quand on pense. Et puis arrêter avec les évidences. Par exemple, dire « Je suis Kanak, je vote pour la Kanaki » ou « Je suis blanc, je vote pour la France ». Ça, c'est pas réfléchir, c'est être daltonien. C'est vrai, ça. Faut sortir du débat à des claquettes. Sinon, c'est toujours la même chanson. C'est pas bon la politique, c'est pas bon la politique, toujours monter la tension. C'est pas bon référendum, c'est pas bon référendum, toujours poser même question. C'est pas bon référendum, c'est pas bon référendum, toujours dire oui ou dire non. C'est pas bon la droite à nous, c'est pas bon la droite à nous, toujours protéger grande famille. C'est pas bon FLNKS, c'est pas bon FLNKS, beaucoup parler. C'est pas bon élu à nous, c'est pas bon élu à nous, toujours s'engueuler. Mais c'est bon d'être ensemble, mais c'est bon d'être ensemble. S'il y a pas toi, il y a pas moi. Mais c'est bon d'être ensemble, mais c'est bon d'être ensemble. S'il y a pas toi, il y a pas moi. Mais c'est bon d'être ensemble, mais c'est bon d'être ensemble. S'il y a pas toi, il y a pas moi. Mais c'est bon d'être ensemble, mais c'est bon d'être ensemble. S'il y a pas toi, il y a pas moi. Ah, ça va mieux la bande? C'est pas parce qu'on est femme algérienne que ça doit dégénérer. Elle a pas fini le texte. Ouais. Pourtant, elle avait le temps pendant le confinement. Ouais, j'ai jamais vu une pièce aussi mal gérée. Stéphane, je n'y arrive pas. Pardon. C'est étrange quand j'y pense. J'ai voulu créer un personnage, le tien, en pleine crise de la quarantaine. Un gars qui ne sait pas où il va. Comme notre pays, comme moi aussi. Et puis, nous y voilà tous en vraie quarantaine. En même temps, on est dans nos têtes depuis 40 ans, non? Coincés à attendre ce référendum. Une attente nécessaire, bien sûr. Mais c'est comme si nous avions figé nos esprits, nos réflexions, à entendre les mêmes arguments. La France, l'argent. La Kanaki, la dignité, la marche de l'histoire. La marche de l'histoire. Belle expression. Puissante. Commode, surtout. On peut lui faire dire ce qu'on veut. La marche de l'histoire, c'est l'indépendance dans la poursuite des mouvements de décolonisation. Ou la marche de l'histoire, c'est le maintien dans la France, rester arrimé à un grand pays face à la mondialisation. Une marche de l'histoire préécrite, moi, j'y crois pas. C'est à nous de décider quelle route empruntera notre histoire. Mon fils, nous arrivons à l'embranchement. France ou Kanaki ? Aux plus grandes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation. Non, pas de panneau. Juste toi et ce vertige face au risque de te tromper. N'est-ce pas là notre erreur, mon fils ?
ne voir que deux chemins là où il en existe mille. Peut-être devrions-nous travailler à imaginer le pays de nos rêves pour mieux évaluer quelle route nous y conduit le plus sûrement. Oui, allô? Ces nouvelles conneries premières? Est-ce qu'on va réussir à financer le spectacle? Quelle question. Je suis optimiste. Je ne vois aucune raison d'être autre chose. Madame la journaliste, vous savez, on est peut-être fin mal géré, mais nous tous, ensemble, on va finir par fin bien géré. Thank you.